Bonjour, bonsoir à tout le monde. Premier groupe policier kenyan a atterri Port-au-Prince journée mardi 25 juin. Jean ça te prévoit, c'est 400 policiers qui débarquent dans l'aéroport international Toussaint Louverture dans le cadre de déploiement mission multinationale là en Haïti. 2500, c'est quantité soldats qui doivent composer force qui visent contrer la réaction de l'examen dans la capitale là. Après arrivé premier groupe policier ça yo dans le pays a réaction yo pas prendre temps pour tomber bio intégré Nations Unies en Haïti BINU salier déploiement premier contingent policier kenyan yo qui pourra soutenir PNH là dans le cadre de bataille contre les examen yo dans le pays a toutefois BINU dit souhaiter ouais c'est toute mission qui pour débarquer dans le pays d'Haïti Jean Conseil sécurité Nations Unies qui autorisé ça. Plus loin, BIO a estimé vini premier groupe policier sa yo. C'est une étape importante dans la bataille pour rétablir la sécurité dans la capitale, et spécialement à la zone qui entoure l'yo, et puis tout protéger droit tout haïtien. Chef gang 400, Maozoa, Germaine Julia alias Yon, condamné pour passer 35 l'année dans la prison fédérale dans le pays États-Unis pour lier dans le complot trafic à exam, avec blanchiment d'argent. Rançon à cotage citoyen qui était kidnappé, et spécialement américain, une façon pour alimenter le crime. C'est plus gros peine tribunal là-bas, avec une quatre accusés dans quatre dossiers, ça, d'après Sami Amirald, fait qu'on est. Dans l'actualité, l'autre bord de l'eau, direction Afrique, dans le pays Kenya, journée mardi 25 juin, c'est une journée mobilisation contre le projet de loi finance 2024 là, qui rentre dans la troisième lecture aujourd'hui dans le Sénat. Plusieurs dizaines de milliers de Kenyans manifestés dans la ville de Nairobi, capitale. D'après ONG Amnesty International, les actes violents ont éclaté la même. Côté la police tire en pile balle réelle. Information fait croire qu'il y a eu plusieurs cadavres. Cependant, l'autorité n'a pas rapporté aucun cas de la mort. Toujours dans l'actualité, l'autre bord de l'eau, l'Union européenne gagne pour lancer officiellement une négociation avec les pays Ukraine et puis Moldavie, je vous ai dit 25 juin. Ça, c'est le président de la Commission européenne qui compte faire après annonce. Alors, ce qui est le pays Hongrie qui prend la présidence de l'Union européenne, le premier JR Kavinla, a décidé de ne pas mettre veto sur la négociation avec l'Ukraine, malgré le principe opposition gouvernement pays gagné. Pour l'Ukraine, ça, c'est une nouvelle étape sous route pour le membre de l'Union européenne. C'est là que nous mettons en bout dans la session information. Ça, nous invitons à rester connecté à Radio-Télévision Caraïbes.